Donc 1, 2, 3 en plus. Il n'en manque plus qu'un. Un hongre et des juments. 13, 16. On est assez haut en altitude, on est à pas loin de 1000 mètres d'altitude. Ça y a encore quelques traces de neige. Mais c'est fou parce que malgré le fait qu'il y ait de la neige et que l'altitude, les chevaux sont en super état. Et donc ici, j'ai que les animaux les plus costauds. Toutes les juments, elles sont en hivernage à la plaine. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils peuvent se protéger sous les bois, ils trouvent à manger. Même quand il y a de la neige, ils trouvent quand même à manger. Il n'y a que le sel qui ne trouve pas tout seul dans la nature. C'est pour ça que là, ils sont très intéressés par les humains. Hommage aux montagnes. Les chevaux, ils n'ont pas besoin de moi. Tout ce qu'ils veulent, c'est de la surface, à manger, des congénères. C'est tout. C'est ce qui se passe sur les estives. Ils sont dans une situation de liberté face aux éléments naturels. La grêle, la foudre, le froid, la prédation. Et tout ça, ils le gèrent entre chevaux. Et les poulains voient ça aussi. Et c'est pour ça qu'on dit que les chevaux de Mérins ont un mental très sain. C'est cette éducation au sein du troupeau qui leur donne leur qualité de cheval, quoi. Et là, l'humain, il peut pas prendre ça au poulain, c'est pas possible. Ça, c'est vraiment la partie. Il n'y a que la nature. Et mon boulot, moi, c'est juste de laisser faire la nature.